Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres, un reportage exclusif sur la maltraitance dans les maisons de repos belges. Cette fois, c'est la société Harmonia qui est dans l'œil du cyclone. Le convoi dit de la liberté n'a pas remporté beaucoup de succès chez nous, rien à voir avec ce qui s'est passé à Ottawa. Des incendies de voitures qu'il faut éteindre avec de grands moyens, certaines voitures électriques inquiètent les pompiers. Des ressortissants américains et européens quittent pour l'instant l'Ukraine et pendant ce temps-là, la diplomatie patine. Nous irons dans ce journal à la découverte d'un endroit merveilleux, on l'appelle la Venise de l'Afrique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À suivre dans ce journal, ouverture du procès de l'assassinat du père Hamel. Il avait été tué en pleine messe en France par deux djihadistes. Un carnaval sans masque de protection, mais un vrai carnaval de Venise qui retrouve donc des couleurs. Portrait de deux Belges qui ont participé activement à la mise sur pied des JO de Pékin. Cela va du tremplin à la piste. Voilà, c'est la fin du journal. Tout de suite, QR présenté par Sacha Daout. Bonne soirée, à demain, 19h30.